Très cher bien-aimé, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous t'aimons dans le cadre du mouvement de repentance nationale que Fédération des Églises protestantes haïtiennes d'outre-mer a lancé et dans le cadre de la journée de prière le 24 novembre prochain, fait quelques considérations tirées des Saintes Écritures et de l'histoire d'Haïti. Nous pas aller loin, mais nous t'a touché un peu dans point ça yo pour nous comprendre danger gain là. Mettez un jour de prière pour Haïti, c'est bon jouet que lié. Et en pile monde prend ça avec un grain de sel, yo ça son bagaille que yo ka qui au choix nous voulez faire nous faire li. Mais si vous sont chrétien, si vous sont monde qui a prié, n'a pas dit vous c'est pour jouer qu'il a. Haïti en danger. Pays a qu'à disparaître. Et pour cause crime yo cap commettre dans pays a qu'a entraîné le jugement de Dieu, Jean Noël dans la Bible et ces bagages nous ouais dans les Saintes Écritures, la Bible parlait de ce grand jugement du déluge que le Seigneur a dévoué sur une génération rebelle, sur un peuple d'impies. Donc nous avons une situation qui grave en pile, appel à la repentance nationale, appel que nous avons fait à la prière, son bagage qui est nécessaire pour nous ouais si l'Éternel bagage pitié pour Haïti. Parce que solution en pape sorti des grandes puissances du monde, il y a pas de solution pour nous. Nous pas qu'à tourner nous vers nous-mêmes. Mais Bible a dit quand on tourne vers le Seigneur en ses regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Et Samista te dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Alors nous avertissement le Seigneur bail par le prophète Jérémie. Elle le dit, elle le décider détruire une nation, mais il dit dans Jérémie 18 verset 8, mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. C'est ça le Seigneur dit. Donc le Seigneur compte changer décision que le prend et Jean ou Haïti a descendant n'a pas gardé Bible là n'a pas gardé et Jean pays après aller là et n'a pas gardé danger qui a menacé Haïti nous quoi que il y a urgence en la demeure pays en feu en quelque sorte nous besoin tourner nous vers le Seigneur pour nous dire pour à cause de ses enfants à cause de sa grande bonté de sa grande miséricorde pour gain pitié d'Haïti. C'est pour un bagage qui au choix, gain une nécessité, gain urgence pour nous pour aller dans la prière pour nous demander le Seigneur pour l'intervenir. N'a dit ou premièrement dans Bible là nous en pile tant qu'on ça côté la main de Dieu est intervenue pour délivrer peuple. Premier texte n'a pensé avec lui son un bagage qui était passé dans temps Asa. Le père de Josaphat. Josaphat est très connu, tout le monde connaît Josaphat, mais Asa pas connu même Josaphat, mais nous connaissons Asa. Asa c'est un roi qui te vive non tant côté te crise dans pays là. N'a dit ça c'est pour chrétiens ou connaît vers qui monde pour retourner. Côté pour aller. Qui ça pour nous faire? Dans 2 Chroniques 15 verset 5. Dans ce temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait, peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. C'est ça que tu dis, nous là, pas de sécurité pour mon cap entrer, pour mon cap sortir. T'es un gros trouble dans le pays. Sous le texte, ça, ou tiré dans la Bible, ou considéré Haïti, ou mette Haïti, c'est ça, regardez là. Mais situation Haïti. Mais Haïti devant, pas de sécurité en Haïti, pour moun,
cap entré, pour moun cap sorti, gen grand trouble parmi les habitants du pays, tête chargée tout côté. Mais Aza te fon bagay, nan détresse li, li décidé pour te chercher l'Éternel. Et il cherchait l'Éternel, il fait peuple à tourner vers l'Éternel. Et mes arrivé, le Seigneur va au repos de tous côtés. C'est ça l'écriture dit nous. C'est solution pour Judas dans moment ça, le Seigneur fait grâce à venir. Donc, gon solution pour Haïti. Le nous tourner nous vers le Seigneur, le nous chercher présence. Donc c'est pour jouer trier son bail spirituel lui-même. C'est pas un jouet de ça et chercher la présence de Dieu. L'église qui a devoir ça. C'est l'église qui a pouvoir d'intercession ça. C'est l'église qui doit charger de cette mission pour montrer peuple avec les écritures. Peuple qui pas converti, peuple qui pas craint mon Dieu, peuple qui pas chercher le Seigneur pour nous faire tourner vers le Seigneur. Et c'est toute l'histoire du monde. C'est pas dans la Bible seulement. L'Angleterre a eu une crise comme ça. Le réveil Wesleyen sauvé l'Angleterre. Ou dans l'histoire du monde, ou quand pile peuple, nation qui troublait, valeur morale, yo disparaître, yo tomber, pays a tomber, a descendre, et puis on réveil spirituel vini, renouveler la grâce de Dieu, et puis nation retourner, jouer une bonne route li encore. Donc c'est dans situation ça, Haïti, Jean Bible a dit ça, dans ce temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient. Mais situation Haïti, c'est ça nous dans le texte là. Mais Aza, tu prends la bonne décision pour te chercher l'Éternel. Et l'Éternel, tu vas au repos de tous côtés. Alors c'est ça qui est solution pour Haïti. C'est ça que les chrétiens doivent chercher. C'est ça les enfants de Dieu doivent faire. Parce que le nous tourner vers le Seigneur, il va faire grâce à pays. Il y a plusieurs instances comme ça dans la Bible, mais nous ne prenons pas pile. Nous apprenons l'autre encore. Ça qui est arrivé dans le temps, Jéroboam II, on l'autre roi encore qui est moins connu, Jéroboam très connu, parce que le campé Jéroboam I est très connu, parce que c'est deux voix en Israël pour les rois, la voix de Jéroboam et la voix de David. David, c'est le monde qui est fidèle à l'Éternel. Jéroboam, c'est Wayou qui marchait dans la voie de Jéroboam. Et eux-mêmes, c'est les rois infidèles. Mais il y a un Jéroboam qui est Jéroboam II de la dynastie de Jéhu. Jéhu, ça, qui a nettoyé la maison d'Akab, qui a retiré l'idolâtrie dans le pays. À cause de ça, le Seigneur a fait alliance pour petit Théo jusqu'à la quatrième génération régner sur Israël. Et Jéroboam II, lui-même, t'est venu dans la dynastie, parce que Jéhu t'est fait Joakaz, Joakaz fait Joas, Joas fait Jéroboam, Jéroboam II, ça, lui vient régner sur Israël. Mais regardez ça, l'écriture dit au sujet de et règne Jéroboam II. Et bagaille qui passait sous gouvernement. Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble, et l'extrémité à laquelle se trouvait réduit, esclave et homme libre, sans qu'il y eût personne pour venir au secours d'Israël. Or l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux, et il les délivra par Jéroboam, fils de Joas. C'est une décision que le Seigneur te prend pour ne pas quitter Israël disparaître, parce que Jean Satéia, détresse ça que t'es là, tête chargée ça que t'es là, c'était sous route disparition. Il était délivré par Jéroboam, fils de Joas. C'est pas que Jéroboam était un bon roi, non, mais il était utilisé le prophète Jonas que nous connaissons dans la Bible. C'est le salté vivre, le Seigneur t'a utilisé ministère li pour permettre que Israël te retourne vienne en place encore pour Israël pas disparaître. Donc solution yo, c'est solution divine, c'est solution surnaturelle, c'est solution qui vient dans la prière, c'est solution qui vient dans la recherche de la face de Dieu. Qu'est-ce que nous dit au danger que Haïti la donne? Nous gagnons l'histoire d'Haïti selon ça. En pile historien, vous faites nous connaître. Yon
et phénomène qui était passé autrefois, puis le tremblement de terre, c'est qu'on a frappé Haïti. C'est un bail qui était passant pile en Haïti. Mais il y a trois tremblements de terre qui allaient pire au passé tout l'autre, qui fait plus de dégâts passer tout l'autre. Et eux-mêmes, nous besoin comprendre pour nous voir dans qui danger Haïti. Et nous parlons si j'en parlais, nous pas parlons pile de yo, mais nous avons une idée pour qu'à comprendre dans quelle situation Haïti est. Une situation grave, une situation dangereuse. Bon, nous ne devons pas arriver dans le tremblement de terre Haïti tombé, oui. Parce que son pays qui a tombé, lui. Son pays qui a entré dans le trou. Le nous convoquer moun pour venir dans la prière, le nous demander moun pour venir prier, le nous dit le Seigneur a cherché des intercesseurs. Son drame qui là, oui. Mande le Seigneur pour ouvrir les yeux, pour limiter, pour faire ouais danger là, pour qu'à comprendre danger. Et comme ça, cœur nous va toucher des mots d'Haïti. Et le Seigneur na va tourner nous vers lui-même. Et là, va gagner pitié pour Haïti. Mais bagala, pas qu'à faire comme ça, faut qu'on campagne de repentance nationale, parce que c'est péché qui mène nous là. Ça n'a pas gardé devant nous. Hein? C'est fruit péché, c'est iniquité. Et Jean-Bible a dit des Israélites autrefois, il dit, ils sont adonnés à la magie comme les Philistins. Eh bien, c'est Haïti. C'est Haïti. On y a une idolâtrie. Qu'on y a la violence et dépasser les bornes en Haïti. Jean-Bible a dit, quelle violence dans son sein. Et ces violences tant que fait l'Éternel, voyez déluge sur la terre. Donc, c'est pour un petit bail ordinaire, et nous avons vu lance là, son bail extraordinaire en Haïti. Mais venons considérer deux événements sérieux pour nous mettre dans le contexte, pour nous dans qui danger pays à ironia. Surtout, pas quand Haïti a fait, il n'y a même pas ça, ça même. C'est bagay qui n'a. C'est un coup, c'est fabli. Même Jean, lorsque l'autre a annoncé à ses beaux-fils que le Seigneur pourra le détruire, Sodome. Ça a regardé aux yeux de ses gendres, dit la Bible, l'eau parut plaisanter son blague la baille. Mais n'a dit où? Haïti en danger. C'est pas une blague que lui. Et nous besoin tourner nous vers le Seigneur. Ça qui t'est passé premièrement, la ville de Port-au-Prince était frappée par deux grands tremblements de terre. Parce que tremblement de terre, yo, principe, yo, bagay que nous que observé là-dedans, yo, qui a tendance à retourner encore après un certain nombre de temps. Et là, yo retourné, yo suivent même modèle yo te gen avant. Deux tremblements de terre, dans l'espace de 19 ans, te détruit la ville de Port-au-Prince. Ce qui signifie, nous te gagnons un constat en 2010. Au fur et à mesure que nous approchons de 19e année de tremblement de terre, ça a été dans danger. Mais ce n'est pas la science, ce n'est pas une science qui a bien établi que l'y est. L'y doit arriver avant, l'y doit arriver après, l'y doit arriver dans 30 ans. Mais probabilité a augmenté de plus en plus. Homme de science qui étudie sismologie, il voit vraiment que pays en danger, il y a un risque croissant pour un grand tremblement de terre frapper Port-au-Prince ou bien Cap-Haïtien. 21 novembre 1751, la ville de Port-au-Prince était frappée par un tremblement de terre, ville l'a crasée. Premier tremblement de terre qui était crasé la ville de Port-au-Prince. 19 ans plus tard, en 1770, là ça c'était 3 juin 1770, en fait, pour nous dire ça en passant, c'est à souhait. Tremblement de terre, ça a été passé. Et Pétion, le président Pétion, était un petit bébé, le ça. Il était là, il y a dans la chambre, il était dans le berceau, les parents, ils ont campé dehors. Il a pris vent parce qu'il était fait chaud. Il compte comme ça, lorsque le tremblement de terre va passer, un des leurs. Et l'histoire fait nous connaître. Tremblement de terre l'a passé, parents yo instinctivement couru sorti dehors. C'est un nanny qui connaît petit bébé à là, li volé en l'air, l'entrée en dedans, li râlé petit bébé à mettre dehors et puis saute à peine sorti dehors qu'elle a crasé.
C'est ça que fait nous t'avons gagné président Alexandre Pétion pas mourir dans l'événement ça. Un pile gros bagaille qui passait dans le tremblement de terre 1770, 19 ans après ça qui t'est passé en novembre 1752. Ce qui signifie nous-mêmes, nous besoin de veiller, nous besoin de préparer, nous besoin qu'on ait surtout saison tremblement de terre retourner. Heureusement, c'est pas dans la ville pour nous pression frapper, bien que tremblement de terre toujours malheureux, c'est dans le sud qui frappe, parce que si pour nous pression frapper, Haïti a un gros problème. C'est tête chargée la pied pour Haïti. Avec violence, avec gang, avec mounsa qui n'est pas dans yo, saks qui pas mourir dans tremblement de terre là, pour aller chercher, imposer pour force yo. Yo moun kap contrôler kap ba aux am pap ka contrôler encore et anarchie pral ka rentrer dans pays parce que n'importe bagay ka passer dans tremblement de terre donc son danger grave qui sou Haïti haïtien pa fan rien pour ça pas un jour de simulation pas un jour côté y a n'est-ce pas réfléchi sous mesure nous doit prendre qui gens pour nous batikay pour faire si tremblement de terre fait encore caillou pas craser pas comme ça tremblement de terre passe en 2010 nous fina avec lui mais l'histoire fait nous connaît 19 ans après premier a bon deuxième et c'est un principe dans tremblement de terre là l'elle t'est passé déjà il ca passe encore faut préparer pour lui. Ou l'autre tremblement de terre encore qui t'écrasé Haïti, c'était le tremblement de terre de 1842. La ville du Cap, que t'érelé le joyau de Saint-Domingue, la plus belle ville d'Haïti, c'était le Cap, c'était côté que t'es en pile commerce, c'était une ville que t'es qu'à comparer avec n'importe grande ville qui était dans le monde, c'est une ville extraordinaire, la ville du Cap, en 1842. Tremblement de terre, ça a crasé ville au Cap. Mais tsunami qui t'est fait. Tremblement de terre, ça, il arrive pas au presque. Il passe Saint-Marc. Go naïf même, t'es un phénomène, il y a du feu qui saute en bas de terre qui a monté. Il y a tsunami dans tout port de paix. Saint-Domingue prend tout. Ce n'est pas de dégâts. Tremblement de terre 1842 a pas fait. Donc son pays, alors heureusement, après 1842, nous n'avons jamais moins un tremblement de terre encore passé au Cap, mais c'est un terrain qui est fragile. Nous n'avons jamais connu qui le faille là pour le réveiller encore et pour bagayou retourner. Mais le nous prier, le nous chercher la présence de Dieu, le nous humilier nous devant le Seigneur, li ka épargner Haïti pour ne pas tomber dans tout ça encore. Ce n'est pas un jouet qu'il a. Son gros danger qui sous pays a tremblement de terre là c'est yon nan yo et comme nous te dit ça violence non seulement qui a entraîné le jugement de Dieu sous pays a parce que n'ap descend non trou nous pas jamais ka rete net pi bas pi fond nous pral aller dans trou a ou ta dit là nous rivé n'ap rete là mais actuellement on famine déjà menace pays a dans situation qui grave et pas de solution humaine. Travail nous comme chrétiens, c'est pour nous chercher la présence de Dieu. Jean nous a azat fait ça. Jean l'écriture recommande lui pour que le Seigneur qu'a touché des mots d'Haïti. Que le Seigneur vous bénisse à mon amour.